Le corridor Corée de la transformation digitale est attribué à M. Bodé Areg Bessola de UBI Sénégal. Ah, c'est la banque UBA Sénégal. United Bank for Africa, PLC, UBA, est un groupe panafricain de services financiers, dont le siège est situé à Lagos. Il possède des filiales dans 23 pays africains et des bureaux à Londres, Paris et New York. Avec plus de 70 ans d'expérience dans la prestation de services bancaires à tous les secteurs de la clientèle, UBA a fait de l'expérience client un élément central de tous ses canaux de services de transaction. Cela a conduit à une satisfaction des clients qui dépasse les normes et les attentes. UBA a reçu une reconnaissance internationale de plusieurs plateformes de prix réputées pour ses innovations stratégiques et des réalisations dont l'un des plus prestigieux était Prix Euromoney en 2018. Peu de temps après le lancement de Léo, le banquier virtuel plébiscité par le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Plus récemment, en décembre 2020, le groupe Helix a décerné à UBA le prix de la meilleure banque numérique pour les startups. Déterminé à poursuivre sur cette lancée, la filiale sénégalaise de UBA se dote des ressources techniques et humaines nécessaires à la réalisation de sa vision pour la plus grande satisfaction de sa clientèle. C'est ainsi que le 14 juillet 2020, M. Bodé Areg Bessola a officiellement pris fonction en qualité de directeur général de UBA Sénégal. Fort de 22 ans d'expérience bancaire, diplômé d'un bachelor en banque et finance, BSC, ONS, BSC Banking et Finance, avec mention honorable. The message I would like to give to the young people who are aspiring to be leaders is to take advantage of many programs that UBA has put in place. We have the UBA Foundation that has been put in place by the chairman, Mr. Tunelu Melu, who is empowering entrepreneurs to be leaders of tomorrow. So I would like them to take advantage of that. Monsieur Bodé Areg Bessola est également titulaire d'un MBA en banque et finance internationale de l'Université de Birmingham en Angleterre et est membre de l'Association of Chartered Accountants of Nigeria, ACA. Il a travaillé pour Prudent Bank, PLC, Skybank, PLC, Access Bank, PLC, avant de rejoindre le groupe UBA avant sa nomination. En tant que directeur général de UBA Sénégal, Monsieur Areg Bessola occupait le poste de Sector Head Corporate Banking of UBA Group, Nigeria. C'est pour toutes ces raisons que le jury international a décidé de nominer UBA Bank dans la catégorie Corridor, Corée de la transformation digitale. Monsieur Bodé, directeur général de la banque UBA, qui reçoit le Corridor, Corée de la transformation digitale. Des mains de Madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. On les applaudit ensemble, s'il vous plaît. Toutes nos félicitations. Congratulations. Excusez-moi, j'ai parlé anglais. J'ai dû parler français un peu. Excusez-moi. Thank you very much, Your Excellency, President Macky Sall, represented by the Minister of Interior, Madam Minister of Foreign Affairs, Madam Aminata Sall. Thank you, President of MEDIS, Monsieur Diop. Well, 2020 was a very challenging year for everybody. And because of the COVID pandemic. But for UBA, what we did was to come up with a solution, digital solution, that enables all our customers to do their businesses online. And the result is what we are seeing today. UBA winning the best bank in digital banking. Thank you to the team of UBA seated there, Sambafa, Mr. Ibno, and the rest of the team, and the head of digital banking, Mr. Leye, thank you very much. We want to thank our chairman, that's our visionary leader, Mr. Tony Elumelu, which you all know, is an advocate of digital banking.
So what we want to, what UBA want to promise all of us, all the companies here, individuals here, is that we are ready and we will continue to do business with you, to provide digital solutions for you, so that you don't need to come to the banking or you can do your businesses in your house, in your offices, in your homes. So thank you very much, the organizers of this event, Mr. Medes, and I want to thank the team once again. This award is for all of us. Thank you very much. Thank you. Et il veut que je traduise un peu. Il voudrait remercier son excellence le président Macky Sall, représenté par Maître Aïssa Tall Sall, madame de ministre des Affaires étrangères. Il voudrait remercier vivement le président Banik Diop. Et puis en 2020 a été, il disait que 2020 a été une année difficile, une année très difficile, mais ce que nous avons fait à UBA et Bank, ils ont justement choisi le digital, ils ont fait de telle sorte que l'ensemble de leurs clients pouvaient rester chez eux, faire leurs opérations et que les opérations étaient possibles à partir du digital. Tout se faisait à partir du digital et puis l'équipe de UBA était derrière pour justement travailler avec les clients. UBA a transformé donc la vie des clients et puis elle voudrait remercier vivement l'ensemble des lions et des lionnes de UBA, c'est-à-dire l'ensemble des équipes, pour leur dire merci et puis remercier vivement leur chairman, M. Tony Elumelu, pour lui dire merci. Ce prix est pour lui, ce prix est pour l'ensemble des équipes. Ce prix est un prix de travail et d'abnégation de l'ensemble des équipes de UBA, le DG, M. Baudet, qu'il disait, et qu'on applaudisse, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Merci.